Dans cette vidéo, on va s'intéresser à un sophisme qui s'appelle l'affirmation du conséquent. Donc c'est un sophisme relevant de la logique formelle. Donc dans ce sophisme, en fait, on fait une confusion entre implication, A implique B, et équivalence, A est équivalent à B. Si on reprend l'argument de type modus ponens, alors dans un modus ponens valide, je vous rappelle, la structure est la suivante. Si P, alors Q. On a P, donc Q. Je vous donne un exemple avec un chien. Si le chien voit un voleur, il aboie. Il y a un voleur dans la maison, donc il aboie. Donc là, c'est un modus ponens absolument valide. Donc les affirmations du conséquent, ça va être un détournement de ce type d'argument. C'est à la structure suivante. Si P, donc Q. Q, donc P. Donc, vous voyez, ce qui a changé par rapport à la forme valide, c'est que les deux dernières propositions, il y a une inversion entre Q et P. Donc je vous reprends l'exemple du chien pour illustrer l'affirmation du conséquent. Ça a la forme suivante. Si le chien voit un voleur, il aboie. Le chien aboie, donc il y a un voleur dans la maison. Donc en apparence, ça ressemble à un modus ponens valide. Et en fait, pas du tout. Et la raison en est très simple, c'est qu'il peut aboyer pour d'autres raisons. Un autre exemple classique, c'est celui de la rue qui est mouillée. On a tendance à dire, il pleut, le sol est mouillé, il a plu, donc le sol est mouillé. A priori, ça c'est le modus ponens. Et quand on fait une erreur de type affirmation du conséquent, c'est de dire, le sol est mouillé, donc c'est qu'il a plu. C'est peut-être le cas, mais ça peut être aussi tout simplement que la rue a été nettoyée. Alors, maintenant, pourquoi est-ce que ça s'appelle affirmer le conséquent? C'est parce que dans un modus ponens valide, la deuxième partie de la première proposition, hein, si P alors Q, Q, ça s'appelle le conséquent. Et donc, en fait, on va l'affirmer dans la suite de l'argument. Autre exemple que j'ai vu au début de la pandémie du coronavirus, c'est l'argument suivant. Si les Allemands ont une meilleure résistance immunitaire, alors les taux de mortalité au coronavirus seront plus faibles. Et en effet, les données ont montré qu'entre l'Allemagne et la France, les taux de mortalité différaient significativement. Donc j'ai mis un peu des chiffres au hasard. Sauf que ce n'est pas parce qu'il y avait une différence de mortalité que c'était lié au système immunitaire. Ça pouvait être aussi lié, au système de santé, à l'âge des personnes infectées, à la quantité de tests réalisés. Donc, c'est pas parce que dans un sens ça marche, meilleur système immunitaire, plus faible mortalité, que dans l'autre sens c'est correct, plus faible mortalité, meilleur système immunitaire. Il ne faut pas confondre équivalence et implication.